chanson quand je joue souvent dans la rue. Et c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment au Maroc ou ce qui va se passer après. Parce que je suis optimiste. Voilà, merci. Alors, on n'a pas de micro, donc c'est Sim qui va jouer le rôle. Voilà. See you.
suivi du 20 février et de vous renseigner d'abord sur l'état des événements qui ont lieu actuellement au Maroc et ensuite de vous renseigner sur le comité de suivi de l'UV. Plusieurs questions ont été posées à propos de ce comité. Il faut se souvenir d'avoir une mémoire qui n'est pas très, très grande pour savoir que dès le début des événements du 20 février et en réalité quelques jours avant, certains ont qualifié les jeunes du mouvement de traîtres à la nation, d'ennemis de la nation, ce genre de choses. Les événements qui ont suivi leur ont effectivement donné tort. Bien sûr, il n'en est rien. Alors, pour présenter brièvement ce comité, sachez qu'il est composé de 17 associations et partis politiques de Marocains en France. Il est aussi composé de jeunes qui n'ont pas d'appartenance forcément associative ou politique et qui se sont intéressés à ces questions à l'occasion de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ce comité a un fonctionnement très ouvert, il se réunit au moins une fois par semaine et en réalité, ses membres sont extrêmement actifs. Les rassemblements à Paris qui ont eu lieu le 20 février, le 20 mars, celui de dimanche dernier et celui de ce dimanche le 24 sont effectivement des initiatives de ce comité. Donc en réalité, il n'y a absolument rien de bien difficile à comprendre. Ce qu'il y a d'important à saisir avec ce comité, c'est qu'il ne s'agit en rien d'un monolithe, d'un bloc. Au sein du comité, nous n'avons pas tous les mêmes opinions sur toutes les questions importantes qui agitent aujourd'hui le Maroc. Nous avons cependant un certain nombre de revendications qui sont communes. Ces revendications, je laisserai tout à l'heure Selma les présenter, quand elle présentera aussi nos invités et nos intervenants. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel, et c'est à mon sens le dénominateur commun de ce comité, qui est celui que nous militons pour un état de droit au Maroc, et que ce que vous pouvez voir écrit sur cette affiche « Mersin dégage », que qualifions-nous par Mersin? Qu'entendons-nous par ce terme? Eh bien, c'est tout simplement le fait que l'irresponsabilité et l'arbitraire sont inscrits au cœur de notre système politique actuellement au Maroc. S'il y a bien quelque chose qui est le ciment de ce mouvement du 20 février, certes, hétéroclite, mais s'il y a quelque chose qui constitue son ciment, c'est véritablement le fait, la volonté de d'ériger au Maroc un état de droit. Certaines questions ont été posées. Certaines questions que l'on peut entendre à droite et à gauche quand on discute avec nos compatriotes, c'est pourquoi continuez-vous? Sa Majesté a annoncé la tenue d'une commission pour la révision constitutionnelle, les gestes qui vont dans le bon sens se multiplient. On a parlé récemment de la libération de 190 détenus politiques. Certes, ce sont des signes de bonne volonté. Ce sont des choses qui montrent que, effectivement, notre mouvement a eu déjà un certain nombre de conséquences. Mais la mobilisation se poursuit pour une raison très simple. C'est qu'il ne faut pas oublier que le régime politique qui est à l'origine de toutes ces incarcérations, qui est à l'origine d'un état de sous-développement économique et politique au Maroc, est encore exactement le même et qu'il n'a en cela absolument pas changé. Et que tant que ce changement n'aura pas pris forme institutionnellement, eh bien, il restera du travail pour nous. Je vais maintenant passer la parole à Selma qui va introduire nos invités et ainsi que les axes sur lesquels ils vont s'exprimer et qui sont les revendications du mouvement. Sachant que, encore une fois, je le répète car c'est important, au sein de ce mouvement, il y a un grand nombre d'associations et de partis politiques, il y a un grand nombre de sensibilités. Et si vous venez à notre rencontre et si vous posez des questions que vous avez envie de poser, vous aurez d'une part, les réponses qui sont celles, qui sont la plateforme de revendication du mouvement, mais vous aurez aussi, et ce sera signalé, et en tout cas vous comprendrez, des choses qui dépassent ces revendications-là, et qui sont les sensibilités différentes qui s'expriment au sein du mouvement. La parole est à Simon. Bonsoir tout le monde. Donc, comité de suivi du mouvement du 20 février à Paris, recevons ce soir cinq acteurs marquants du mouvement du 20 février. Donc, nous avons avec nous Soraya Kahlaoui, jeune militante du comité. Elle prépare actuellement une thèse en sociologie, où elle se donne à la comparaison des soulèvements populaires entre le Maroc et la Tunisie. Très intéressant dans la période que l'on est en train de vivre.
Et puis Yassine Al-Mouazadeh, qui est également membre du comité, il est particulièrement engagé dans la cause émirale. Donc nous comptons aussi parmi nous Ibtissam Lashkar, qui est cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles du Mali. Et elle est engagée dans le mouvement du 20 février au Maroc, et elle est aujourd'hui, enfin, elle est avec nous ce soir pour nous en parler. Donc nous écouterons notamment l'intervention de Amin Hilal, membre actif du comité et qui est par ailleurs à la formation de juriste. Et finalement Soumaya Al-Mu'tasim, membre de l'Association marocaine des droits humains et qui a milité avec acharnement pour la libération de son père Mustafa Al-Mu'tasim ainsi que des autres détenus politiques de l'affaire Al-Iraj. Et pour l'occasion, nous l'applaudissons pour leur libération. Donc, nous intervenons, détaillerons quelques aspects des revendications lancées par le mouvement du 20 février. Donc, pour être bref et synthétique, ces revendications-là s'articulent autour de deux axes principaux. Donc, le premier axe, c'est l'axe civil et politique. Donc celui-ci repose principalement sur la transition vers un régime démocratique qui lie le pouvoir aux urnes et qui responsabilise les gouvernements aux yeux du peuple. Donc le mouvement du 20 février exige notamment la consécration des libertés fondamentales. Khalid Gaddam, vous devez nous parler de la situation de la liberté d'expression au Maroc, mais malheureusement il n'a pas pu être présent. Donc l'axe civil et politique regroupe bien évidemment le droit à une justice impartiale et équitable qui, avec la libération des détenus politiques, figure parmi les revendications principales du mouvement du 20 février. Et Soumaya parmi nous aujourd'hui va nous présenter, va nous en parler et nous présentera la situation de la justice aujourd'hui. Comme elle est aujourd'hui au Maroc. Et quand on parle de droit civil et politique notamment, on pense aussi aux droits civils et politiques de la femme. Et avec Tissam Lashkar, on saura où on en est par rapport à l'égalité des sexes au Maroc. Et le second axe, je pense que vous l'avez deviné, concerne les revendications d'ordre social et économique, à savoir le droit au logement, le droit à l'éducation, la santé, etc. etc. Donc, Soraya présente parmi nous, va nous présenter les services publics en ce qu'ils constituent un droit fondamental et comment cela va être bafoué par le régime. Donc, et quand on parle de droits économiques et sociaux, on ne peut pas ne pas évoquer les droits culturels. Donc, les droits culturels, comme Amir va les présenter tout à l'heure, et comme ils sont reconnus par les textes internationaux, ne se limitent pas aux droits linguistiques. Dans le cas du Maroc, ne se limite pas à la question amazigh, ça va encore plus loin, on le verra après. Et dans le cadre de la lutte pour la citoyenneté, pour la pleine citoyenneté, et compte tenu dans le cadre dans lequel on est, Yassine nous éclairera sur la cause des Marocains résidant à l'étranger. Je vous prie de les écouter.